Il joue dans le jardin. Insouciant, comme des enfants. Elle cache sa tristesse derrière ses mains et joue à faire semblant entre ses parents. Malgré les moments de bonheur, les fondations de la maison sont fragiles. Souvent, chez eux, tout s'écroule, ne laissant pas de place à la parole de la fille. Poussée par la pression, l'arrivée d'une horrible impression. Dans cette tanière où rien ne devrait l'atteindre, elle tente de se défaire de ce poids qui l'accable. Mais les bretelles l'entravent comme des bras et son sac ne cesse de l'étreindre. Comment cet objet aimé peut-il être aussi tordu? Un ami de toujours, transformé en cauchemar. Il représente l'instant corrompu qu'elle revit dans le noir. À chaque fois, elle a beau se relever, elle pressent ce qu'il va arriver. Ses sens en alerte et son instinct la poussant à fuir. Elle court de toutes ses forces pour s'évader, son angoisse la talonnant et l'empêchant de s'en sortir. Son souffle déjà court, elle ne parvient plus à respirer. Impossible de se sauver, elle n'est jamais en sécurité. Leur toucher la traverse, la tranche et la blesse. Elle sait que se débattre serait sans succès. Brutale est la détresse, mortelle est la caresse. Son corps ne lui appartient plus. Elle fait partie du décor, un objet, comme ils l'ont voulu. Leurs mains sans griffes dessinent pourtant des blessures profondes. Elle glisse dans une douce abysse pour se protéger de ce monde. Mais un jour, elle décide d'en parler. Elle partage le poids de son secret. Démunie, alors que son appréhension grandit, elle cherche comment révéler ce qui lui est arrivé. Sous l'effet du choc, il ne sait pas quoi dire. Le déni la protégera. Elle ne veut plus en entendre parler. Les mots trop lourds de la fille n'atteignent pas ses parents. Encore une fois, il ferme les yeux.
Dans la douceur d'un soir d'automne, elle cherche le réconfort. Sur son dos, le poids s'est allégé. Mais le passé ne pourra jamais être effacé.